Hello les amis gémeaux ascendants, gémeaux signe lunaire en gémeaux, cette guidance générale du mois de novembre 2021 et pour vous, j'espère que vous vous portez bien et que tout va bien pour vous. Comme d'habitude, c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les gémeaux de la même façon. Donc prenez les énergies qui vibrent et qui résonnent avec ce que vous vivez actuellement. Si ça ne vous parle pas trop, c'est peut-être que les messages sont pour d'autres. N'hésitez pas dans ce cas à regarder les vidéos de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire. Pour avoir d'autres messages qui seront peut-être plus parlants. Je vous proposerai dans quelques jours une vidéo bonus à cette guidance générale, la vidéo de la surprise du mois de novembre que vous connaissez peut-être déjà. C'est un complément, et un bonus de cette vidéo pour ceux qui ne l'avaient pas compris. On commence avec l'énergie principale du mois de novembre pour vous, les amis Gémeaux. Et nous avons cette énergie de euh, jambes dans le plâtre, j'ai envie de dire. Alors, on a tendance à regarder tout de suite la première chose euh, c'est béquilles et cette jambe dans le plâtre, mais est-ce qu'on ne pourrait pas aussi regarder tout le chemin parcouru par cette personne euh, qui est à rencontré des difficultés, qui rencontre des difficultés pour avancer avec le signe du Capricorne et de Saturne, les limitations, les restrictions de la planète Saturne. Ici, on voit qu'il y a eu des restrictions, des difficultés à avancer, et notamment dans le domaine peut-être de la communication, des changements. On a voulu peut-être opérer des changements, on a mis beaucoup plus de temps à, à, à essayer de les appliquer peut-être parce que euh, quelque chose ne fonctionnait pas bien, ou alors on était un peu comme handicapé, entre guillemets, dans, dans ce sens, pour avancer. Il nous manquait peut-être des éléments, des choses, des personnes euh, sur notre chemin pour nous aider à avancer et nous porter. On a tendance donc à oublier qu'on a parcouru tout ce chemin-là. Ce n'est pas pour abandonner à la dernière minute. Euh, et on pourrait relever la tête parce qu'ici, il n'y a pas à avoir honte du parcours que l'on a effectué. Au contraire, on arrive vers le soleil, on sent bien cette ombre ici, comme si cet homme affrontait bientôt le lever du soleil euh, et que quelque chose arrive vers lui pour mettre fin à ses limitations. Euh, il a quelque chose en tout cas euh, de, euh, qui, qui n'a pas abandonné, il n'a pas, pas laissé tomber sa, son objectif, donc vous avez probablement un objectif qui vous taraude ici et qui vous euh, demande du temps pour, euh, pour le mettre en place. On va regarder avec le reste du tirage pour voir si éventuellement il y a moyen de passer à l'étape suivante. En dos de deck, on a quand même cette mère de famille qui berce son enfant un côté réconfortant, comme si on avait besoin d'être un peu protégé, de se protéger soi-même. Dans une certaine forme de routine que l'on retrouve ici avec le signe de la Vierge. Toujours Mercure ici qui nous parle de peut-être de changements familiaux. En tout cas, on a peut-être envie de faire avancer une situation chez les Gémeaux pour, pour changer quelque chose dans sa famille, changer le lieu de vie, changer le confort, changer la, le sentiment de sécurité, apporter un nouveau travail dans, dans son foyer. Euh, en tout cas, on a besoin d'une certaine forme de consolation. Ici, avec le cancer et la lune, on voit que ça peut être lié avec le lien familial, le, le lieu de famille ou euh, euh, la sécurité que l'on apporte à son clan. Alors, je ne sais pas comment ça vous parlera. Euh, ça peut être euh, un déménagement, ça peut être euh, l'envie de déménager, l'envie de changer de travail, l'envie d'apporter un meilleur salaire à la maison. Euh, l'envie d'être en meilleur terme avec euh, les autres membres de sa famille, euh, que sais-je encore? On va regarder maintenant votre état d'esprit au mois de novembre les amis Gémeaux, quel sera votre état d'esprit? Nous avons l'énergie du chariot. Avec le chariot, on a envie quand même de se battre donc on, malgré cette énergie qui a l'air d'être un peu entre guillemets au ralenti, vous vous avez envie de vous dépenser, de bouger, de vous déplacer, quand je disais le déménagement, ce n'est pas totalement bête parce qu'ici ça peut représenter une envie de, de mouvement et donc une envie de déménager. En tout cas, ici on a envie de mettre les bouchées doubles, de, de, de ruer dans les brancards, on a envie de faire avancer cette carriole, ce trône sur roue pour aller conquérir un nouveau territoire. Le, le chariot est un. Est un personnage qui veut conquérir, qui veut agrandir, qui veut améliorer les choses et qui euh, euh, crée du mouvement, qui agit, qui, est, qui entre en action. Alors peut-être que c'est le début d'une action après cette période de peut-être de lassitude, de fatigue euh, où on s'est senti un peu bloqué. On commence peut-être à enclencher quelque chose dans sa vie ici pour bouger, pour euh, pour bouger les choses, pour déplacer les choses et pour conquérir quelque chose ou quelqu'un. Qu'est-ce qui va vous traverser et, et donc euh, venir vers vous, la lune Ça ne se fait pas sans angoisse. C'est comme si vous étiez un peu euh, euh, ⁇ j'avance, euh, je recule, j'avance, je recule ⁇ Il y a quelque chose ici qui fait remonter des, des peurs, c'est-à-dire que... Il y a sans doute tout ce parcours qui a laissé quelques traces, euh, ces difficultés qui ont laissé quelques traces et qui vous, qui à la fois euh, ont créé de la confiance en vous parce que vous savez que vous n'avez pas abandonné et que vous êtes toujours là, sur la route et près du, près du but, entre guillemets. Mais il y a aussi toujours des sortes d'incertitudes, de, de doutes, peut-être un manque d'objectivité aussi par rapport à ce que vous vivez. Euh, une incapacité à, à vous dire totalement la vérité, à regarder la vérité en face avec une certaine forme d'illusion. Donc, on a envie d'y aller, mais on ne voit pas tout, on n'a pas peut-être pas encore tout compris de, de ce que on devait faire et de dans quelle direction nous devions aller. Mais en tout cas, moi, je ressens avec le chariot une certaine forme de motivation, une certaine forme d'ambition. On va regarder maintenant dans le domaine euh, de ce que vous possédez déjà. Qu'est-ce que vous avez qui vous sert de moteur ou au contraire, qu'est-ce qui vous manque, qui est un moteur dans la vie pour essayer de l'acquérir dans le futur Nous avons l'énergie du diable. Il y a quelque chose en vous qui vous raccorde à votre pouvoir. Vous avez envie, euh, vraisemblablement, avec le chariot et le diable, d'y aller, de foutre un coup de, de fou glindant, de... Euh, de mettre du carburant, de l'excitant, de l'enthousiasme, du feu euh, dans votre vie là où il y a eu des petits blocages. Il y a sans doute une certaine forme de frustration avec ce diable, comme si vous vous, vous êtes peut-être trop longtemps senti euh, enclavé, euh, esclave de peur, esclave de vos doutes, esclave de quelqu'un, esclave de situation, et vous avez désormais envie de vous libérer d'atteindre votre propre pouvoir, de d'être de, de, d'avoir un côté peut-être autonome, autonome que vous ne sembliez pas ressentir, même si vous l'aviez, vous vous sentiez peut-être bloqué par quelque chose, retenu par des chaînes, retenu par des carcans sociétaux, retenu par des carcans familiaux, que sais-je encore, en tout cas avec le diable, c'est une soumission qui vient à nous, comme si nous étions comme si nous nous laissions, laissions soumettre, c'est euh, plein de ceux, ce, euh, laissant soumettre à quelqu'un ou à quelque chose. Et je pense là je ressens un besoin de liberté, un besoin de liberté même si euh, il y a quelque chose ici euh, qui plane sur le doute. On retrouve l'énergie de la famille hein, quand même ici et le lieu de vie avec la lune et, euh, et le chariot. Je le précise pour ceux qui envisagent de, de déménager et qui se sentent peut-être enclavés dans un endroit où ils se sentent bloqués, où ils ont l'impression de ne pas de ne pas pouvoir avan euh, avancer parce que trop dans la soumission, trop dans l'obéissance et, euh, et peut-être des personnes qui voudraient donc bouger. On va regarder maintenant ce qui va vous favoriser, ce qui va vous aider, ce qui va vous faire grandir pendant le mois de novembre. Le jugement, avec le jugement, il y a comme un appel divin, surtout dans cette position-là. Il y a une sorte de révélation, quelque chose qui vous est envoyé de l'univers pour vous faire comprendre quelque chose par rapport à votre évolution, votre avancée, et qui vous apporte une certaine forme de renaissance, de renouvellement. De réconciliation avec vous-même et peut-être avec votre pouvoir personnel. Euh, C'est comme si euh, on vous envoyait peut-être des nouvelles ou, ou quelque chose qui vienne vous réveiller de votre torpeur, comme si d'un seul coup on venait, euh, les circonstances venaient vous secouer en vous disant voilà j'ai apporté ça bouge bouge fais quelque chose euh, et euh, et donc, ici, c'est de bon augure, surtout dans le ciel, ici, dans, les, dans ce qui vous élève, dans ce qui vous fait grandir, ce, ce potentiel que l'on vous offre, peut-être comme une sorte de cadeau ou de miracle qui pourrait venir peut-être vers vous, en tout cas de bonnes nouvelles liées peut-être à des synchronicités, à quelque chose qui arrive vers vous comme une évidence, une révélation, une évidence. On va regarder ce à quoi vous tournez le dos maintenant, amis Gémeaux. Vous tournez le dos à l'ermite. Alors, j'ai envie de confirmer ce que je disais par rapport au mouvement. Je disais, on avance, on recule, on avance, on recule. On a un peu cette envie de foncer et, et ce brouillard, genre foncer dans le brouillard. Donc, on est obligé de ralentir bien malgré soi, d'une certaine manière. Et l'ermite ici, c'est le temps qui passe, les restrictions, c'est le temps qui fonctionne au ralenti, c'est une certaine forme de retrait, d'isolement, peut-être d'emprisonnement quelque part. Pour certains ici, on s'est senti peut-être en prison quelque part, soit avec quelqu'un, soit en prisonnier des circonstances, prisonnier d'un travail ou quelque chose comme ça, qui nous empêchait véritablement. D'avancer et qui nous retenait dans le passé. Euh, avec l'ermite, on parle du passé. Euh, et je pense que ici, comme vous lui tournez le dos, il y a enfin quelque chose qui se libère pour vous permettre de faire peut-être ces derniers pas euh, vers votre avenir, vers, vers la lumière euh, et vers une certaine forme d'évolution. L'ermite, c'est celui qui a cherché à comprendre. Peut-être que vous avez passé du temps dans votre grotte, entre guillemets, à essayer de comprendre d'où vous veniez, ce que vous aviez, le chemin que vous aviez parcouru, dans quelles circonstances. Et on retrouve peut-être le chemin de l'ermite ici, celui qui progresse lentement et difficilement. Euh... Mais il y a des décisions, des changements qui peuvent être apportés. Euh, au mois de novembre, pour vous éloigner de cette énergie lente, lente et tournée vers le passé. Justement, on va regarder qu'est-ce qui vous tourne vers l'avenir, comment va évoluer la situation. On a le pape. Le pape nous parle d'une certaine forme de validation. Quelque chose est validé. Euh, Peut-être que euh, vous avez essayé de mettre en place un projet long et lent, euh, et que vous attendiez des réponses, et que la réponse est en train d'arriver ici avec une officialisation. Le pape, c'est celui qui, euh, qui valide, qui, euh, qui marie, donc qui, comment dire, qui consacre euh, les choses, qui, sacre, qui, qui offre le sacrement. Euh, donc, il peut y avoir pour certains d'entre vous, l'officialisation de quelque chose, la concrétisation, la validation d'un projet, d'une union, d'un union, d'une union, pardon, <coughs> non, un union. Pourquoi je dis une union C'est euh, un oignon et <laughs> un union. Et donc le pape ici, en tout cas, vous euh, vous transmet comme ça, euh, comme son accord pour euh, pour aller vers quelque chose. Donc si vous attendiez une réponse. De quelqu'un il est probable que cette réponse arrive vers vous ici et soit positive et vous, et vous donne la possibilité peut-être de bouger de vous déplacer soit de changer de ville soit de changer d'appartement changer changer quelque chose entre dans votre vie en tout cas avec le dos de deck on a le monde donc une certaine forme d'ouverture avec une communication épanouissante on est dans la fin d'un cycle. Euh, Puisqu'on parle d'accomplissement, d'aboutissement, il y a quelque chose qui est en train de se terminer euh, et qui dit euh, quelque chose qui se termine veut dire probablement quelque chose qui commence, n'est-ce pas euh, Donc le monde ici est plutôt de bon augure, comme si il y avait quand même une consécration euh, d'un projet, d'une, d'un union décidément. Je veux dire toujours une union euh, parce que ça sonne mieux sans doute. Euh, la, la liaison est plus jolie. Euh, avec le pape et le monde, il y a une vraie progression, une, une vraie montée en puissance quelque part. Euh, C'est en tout cas comme ça que je ressens cette énergie. Je vais rajouter une énergie sur le pape, pour vous les amis gémeaux. Alors, avec, les, avec le pape, pour les gémeaux en novembre 2021. clairement une offre une possibilité quelque chose qui arrive une nouveauté euh, l'officialisation de quelque chose un contrat peut-être qui vous est proposé une promesse avec le pape hein, une promesse de mieux une promesse de mieux être une promesse de du potentiel de quelque chose euh, de concret de mettre en place concrètement quelque chose que vous avez probablement mis du temps à atteindre On va regarder du côté sentimental et relationnel quelle énergie vous accompagnera. Et on a le 3 de denier. Le 3 de denier qui nous parle du travail collaboratif de tout ce qui est euh, ensemble. Être avec les autres, être ensemble, la co-création, euh, tout ce qui est communauté, les réseaux, euh, enseigner et apprendre. Il peut y avoir ici... Euh, des moments euh, de, où on se manifeste ensemble, où on se réunit, euh, une volonté de, de, de mener ses idées à bien peut-être avec des partenaires, euh, les partenaires de votre vie sentimentale ou euh, avec euh, des partenaires professionnels, pourquoi pas. Toujours est-il que le 3 de Pentacle vous amène à, à avoir des possibilités infinies de manifester avec les autres. Donc peut-être des, euh, des rassemblements ici euh, avec votre réseau, peut-être pour fêter quelque chose, hein, pourquoi pas. En tout cas, sentimentalement, ici, il y a, une il y a quelque chose qui se fait avec quelqu'un qui, qui est différent de vous, qui peut apporter de la complémentarité. Euh, alors euh, évidemment, ceux qui sont célibataires, pourraient, euh, ça pourrait parler d'amis. Hein, euh, euh, sinon, on pourrait avoir... Euh, une certaine forme de solidarité entre deux personnes pour vous soutenir peut-être dans, dans votre objectif ici, pour atteindre votre objectif. Dans la vie sentimentale et relationnelle des Gémeaux en novembre 2021, qu'est-ce qu'on a avec le 3 de Pentacle Le 6 de Bâton, donc... Pour moi, il pourrait être question de, de rassemblement euh, social, donc de se rassembler pour fêter peut-être quelque chose, euh, de se féliciter ou de remercier quelqu'un qui nous aurait aidé, soutenu, euh, peut-être. En tout cas, euh, on se rassemble pour de la meilleure des façons, puisque le 6 de bâton représente une certaine forme de succès qu'on retrouve un petit peu déjà avec cette énergie-là du chariot. Dans le domaine professionnel et financier maintenant, nous avons l'énergie du soleil, très jolie énergie. Donc certains pourraient se voir offrir un, un emploi ou une proposition d'emploi ou quelque chose de bénéfique dans leur vie professionnelle pour ceux qui ont déjà un travail. En tout cas, le soleil éclaire votre vie professionnelle et votre vie financière. Il peut y avoir des rentrées d'argent, euh, du travail, euh, des occasions de montrer son potentiel, de briller et de répondre à une certaine forme d'ambition. Donc une très très jolie énergie dans le travail et, le, et, le, et les finances qui pourrait véritablement parler pour les chômeurs vraiment d'une proposition d'emploi, d'une validation d'un contrat avec le pape. Vous m'en direz des nouvelles en commentaire parce que je serais heureux de, de savoir que certains se sortent de la mouise. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Et on va regarder pour terminer euh, votre intériorité. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Euh, votre psychologie, votre spiritualité, votre âme, votre cœur. Qu'est-ce qui se passe dedans? Dedans. À l'intérieur de vous, le roi de Pentacle, une envie de construire, d'être dans la construction. Le roi de Pentacle, c'est le, c'est euh, le constructeur, le bâtisseur, celui qui met tous les moyens en sa possession pour construire quelque chose. Donc ici, vous aboutissez parce que vous avez travaillé sur quelque chose, vous avez mis de l'énergie, tous les moyens que vous aviez, vos capacités, vos connaissances, votre potentiel au service d'une cause, d'un objectif. Et il me semble que ça pourrait être tout à fait payant avec ce roi de, de, de Pintax, sans mauvais jeu de mots, puisqu'on parle de, de finances et de, et de professionnels ici. Vous avez peut-être donné beaucoup d'énergie pour. Pour mettre en place un projet, un nouveau projet ou quelque chose comme ça, avec force et conviction, détermination, sans doute avec le chariot et le, et le roi de pentacle. Et j'ai comme le sentiment avec le soleil ici que c'est vraiment payant. Je vais juste rajouter une énergie, même si pour moi le soleil est extrêmement parlant avec cet as de pentacle. Qu'est-ce qui se passe dans le domaine professionnel et financier pour les Gémeaux en novembre 2021 avec ce soleil? Ça, avec le 5 de, de Pentacle, on a pendant longtemps cru qu'on ne pouvait pas s'en sortir, qu'on se sentait un peu abandonné. Et en fait, on se rend compte qu'il y a cette clé euh, qui peut ouvrir euh, une solution. Donc, pour moi, il y a comme une solution à des problèmes euh, financiers, des solutions à un sentiment euh, d'infériorité, de, de sentiment d'abandon. Ici, le soleil vient. Vous redonner confiance en vous dans votre vie professionnelle vient vous réapporter des éclaircissements, peut-être même des sous hein, pour certains d'entre vous. C'est tout ce que je vous souhaite. On n'est jamais trop euh, gâté hein, avec, euh, avec les sous pour s'offrir un peu de liberté, un peu de bonheur. Donc ici, dans le domaine professionnel, il y a quand même quelque chose qui vous sort d'une certaine forme de mouise comme si vous étiez un petit peu malheureux professionnellement, euh, financièrement, il y avait quelque chose qui était lourd euh, pour vous, vous vous étiez un peu délaissé et là la lumière revient sur vous avec une offre peut-être même alléchante pour certains d'entre vous en tout cas qui vous satis qui pourrait vous satisfaire beaucoup. Voilà les amis gémeaux, je ne sais pas comment ça résonne pour vous, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et si ce tirage vous a plu, je vous invite à liker, à vous abonner et à partager sur vos réseaux sociaux. On se retrouve très très vite pour le, la vidéo bonus de la surprise du mois de novembre. Ciao ciao, bonne journée.